Bonjour à tous, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Hernandez. Donc nous sommes ici, l'Acoya Building, 6365 Collins Avenue, afin de faire l'actualisation de la semaine concernant les ventes et les locations sur ce building. Juste un petit rappel, 528 appartements au total sur ce building, 48 étages, 11 appartements par étage. Donc nous sommes en train de parler de la semaine du 17 novembre jusqu'au 24 novembre. Donc que s'est-il passé cette semaine? Je vous le rappelle, 528 appartements au total, nous avons uniquement 7 appartements, comme vous pouvez le voir sur cette feuille, 7 appartements en vente uniquement à l'Acoya. Un nouvel appartement, le 2505, qui est une chambre, une salle de bain et demi, au prix de 675 000 $. Voilà guys, pas plus au niveau des ventes. Un peu plus d'activité concernant les locations, comme vous pouvez le voir ici. 28 appartements en location. J'ai déjà expliqué pourquoi il y a beaucoup d'appartements en location ici sur l'Acoya. Donc, nous avons une petite baisse au niveau des loyers. Nous avons donc le 1402 qui est passé, lui, de 9 500 $ à 8 500 $. Le 1807, deux chambres, deux salles de bain et demi, il est passé au prix de 9 000 $ à 8 500 $ également. Nous avons un nouvel appartement, le 3401, qui est un 3 chambres, 2 salles de bain et demi, très très grand appartement, au prix de 10 000 $ par mois. Deux appartements sont loués. Donc vous voyez, malgré tout, nous voyons qu'il y a une grosse activité au niveau de la location, il y a beaucoup d'appartements à louer, mais ça se loue. Deux appartements qui ont été loués, le 3702, qui est un 3 chambres, 3 salles de bain et demi, au prix de 14 000 $. Et nous avons le 3911 qui est un 2 chambres, 2 salles de bain et demi au prix de 5 500 $. Et enfin, le 3404 qui lui a été retiré complètement du marché pour le moment, il était au prix de 3 500 $ qui avait monté à 5 200 $. Voilà guys, pas plus d'activité à l'Acoya. Si vous voulez retrouver toute l'activité de l'Acoya, vous pouvez directement aller sur le website de l'Acoya, www.acoyareport.us. Vous pouvez également directement me téléphoner ou m'envoyer un WhatsApp ou m'envoyer un texto à mon numéro de téléphone personnel 786 603 01 84. Également, si vous voulez rester informé, sachez que nous faisons l'actualisation de ce building chaque semaine et ceci depuis plus de 3 ans. Si vous allez directement sur la page web du building, vous allez voir toutes les statistiques de ce building. N'hésitez pas donc, cliquez sur subscribe, activez, abonnez-vous à ma YouTube channel, directement, à ma chaîne YouTube, activez la cloche, ainsi vous allez recevoir une notice chaque fois que je mets l'actualisation pour ce building, mais également pour les autres buildings où l'activité du bien, de tout ce qui est immobilier ici à Miami en ligne. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit, cliquez sur subscribe. Et de plus, guys, vous avez l'intention de vendre votre appartement. Vous avez l'intention d'acheter un appartement. Le marché a complètement changé, il est complètement différent. D'il y a à peine 15 jours, ne me parlez pas d'il y a plus de 3 mois et c'est complètement différent, croyez-moi. Le marché a vraiment changé à Miami. N'hésitez pas, cliquez en dessous sur le lien de mon calendrier électronique. Je vous accorde 30 minutes complètement gratuites, sans engagement, afin de vous renseigner si vous avez l'intention d'acheter un appartement, afin de l'acheter au meilleur prix, ou de vendre votre appartement, afin d'en tirer le meilleur profit. Voilà guys, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite un Happy Thanksgiving et je vous dis donc à la semaine prochaine.